Vuka dian timanti, Afelika dian padi fina menetua, Kabu dia bakeluba. Uluzo dola wakanda wa mbujulendo, Makanda mava muso mavutu kayo zama, Oso weni nani kama sina makikulu, Kongo ya pa kongo ya futu kakongo. Uluzo dola wakanda wa mbujulendo, Makanda mava muso mavutu kayo zama, Oso weni nani kama sina makikulu, Kongo ya pa kongo ya futu kakongo. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa, Afelika ya pa, Afelika ya pa nina mene tuwa, Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa, Afelika ya pa, Afelika ya pa nina mene tuwa. Kesi ya mbaya mita petima na kukongo, Ipanda kia kongo ye kibuka kia timanti. Kesi ya mbaya mita petima na kukongo, Kongo ya bakongo ya futuka kongo. Kesi ya mbaya mita petima na kukongo, Ipanda kia kongo ye kibuka kia timanti. Kesi ya mbaya mita petima na kukongo, Kongo ya bakongo ya futuka kongo. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa, Afelika ya pa, Afelika ya pa nina mene tuwa, Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa, Afelika ya pa, Afelika ya pa nina mene tuwa. Zakuza kuna zakuza zosi na katula, Ulu solo lwa batata mafungu tulendo, Siku miazo neza kwanza sina tungwa, Yefuka na mutifuka kia timati. Zakuza kuna zakuza zosi na katula, Ulu solo lwa batata mafungu tulendo, Siku miazo neza kwanza sina tungwa, Yefuka na mutifuka kia timati. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa, Afelika ya pa, Afelika ya pa nina mene tuwa, Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa, Afelika ya pa, Afelika ya pa nina mene tuwa. Siku minazo leza mpanza sina tungwa, Kongo kwima kambu begela kuwa kuzami, Oyo makajanga kifu kubangi chwapa, Kasaimu kifu kakianti mati. Siku minazo leza mpanza sina tungwa, Kongo kwima kambu begela kuwa kuzami, Oyo makajanga kifu kubangi chwapa, Kasaimu kifu kakianti mati. Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa, Afelika ya pa, Afelika ya pa nina mene tuwa, Afelika ya pa, Afelika, Afelika ya pa nina tuwa, Afelika ya pa, Afelika ya pa nina mene tuwa. Mm.
Matondo, matondo mingi, bama batata bandiko balandi ya Congo, bololo, talabiso wanato, ye li susu na mokolo malelo bambate, lelo ezali ya solo pena tuka mokolo malo mingo, mokolo mayenga, mokolo oyu, bayaki koko sabiso na bakolonizater, balobiete, en tuka, ezali mokolo oyu nzambe ya pemaki, alo yangwana, esengeli bino pe, boko wako pema, bokenda solo pena en tuka na biyamba, biyamba na bango, o bayaki kosala lavage de cerveau, comme ça bongo po bo célébrer mokolo yango oyo en tout cas mo nzambe na bango apemaki ba mama tata bandi ko landa Congo bolo alors biso to ako balaye lokuta wana pona ko yebisa ba imboka ite ezali lokuta lokuta monene parce que soki nzambe na bango apemaki mokolo mayenga nzambe na biso apemakate nzambe ya Congo apemakate ba mama tata bandi ko landa Congo bolo azali omini potent omini plaisant omniscient azali donc partout au même moment nzambila kana donc voilà Dieu donc azali ko se manifester nabikela mona enyo surtout ba mawa tata bandi ko landa Congo bololo alors ya zana temps ko la terre ko se reposer te o ana nzambe ya bango ba colonisateur ba yaki na ngo pona ko kosa biso abike mokolo mayinga mokolo ya bandaki na kita goigoi pona kopema lokuta na bango makambo ya lokuta makama mayuya yango to na kati na mokolo yango ya Congo bololo pona kolamusa ba imboka ba croire na lokuta wana te masonge lokuta alors ba mama tata bande ko to pesi bino banso ba yenge ki no ba mbote pe ba losako na bino banso ezali ba bino molobeli mbuta bo pele bo bala elingi koloba malamu koloba moko yetuka ya bangombe na Grand Equateur na Fédération ya Ubangishari na kati ya Kimvuka ya Timanti. Alors ba mama batata bande ko landa Congo bololo yenge keno mbote pe balosako na bino banso. Alors toye li susu na mokolo malelo lobito zaki na bino lelo li susu toye li susu lokola taille permettre ba mama batata bande ko esengeli toya poto solo. Lelo tokolobe ya likambo etali la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe na République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la République démocratique du Congo est dirigée par une personne ou bien la République démocratique du Congo est tout simplement donc un cadavre qui respire? Situation sécuritaire catastrophique, situation politique dramatique, situation économique désagréable. Et les gens se réjouissent. Na mambongo bango bazali ko Congola. C'est comme si que bazali na course à la montre. Oyo ke bazo mona ke non, écoutez, kalamingite bazako bima, bazo pataka mbango. Alors donc, il faut faire vite pour na ko récupérer ba misolo ko pie mboka ba mama tata bandi ko landa Congo bololo. Et d'ailleurs, M. Tshilombo a déjà dit que Congo ezali déjà kokufa. Congo ezali kokufa. Donc, il y a tout simplement ko achevé yango. M. Tshilombo a ko achevé Congo o ya lobi ezali déjà kokufa. Alors, biso to lobi, Congo ezali kokufa te. Mais ce sont les dirigeants qui se prétendent être des politiciens. Bangonde bato bazali ya kokufa. Bino, vous les faux politiciens qui sont au Congo. Bino de bato bazali ya kokufa. Monsieur Tshilombo aza kokufa. Congo aza kokufa. Congo est le mine de ngezala kaka. Mende bato bakoki ko conduire les chauffeurs ya Congo de bazali kokufa. Alors, il faut te sauver. Bah, chauffeur. Alors, chauffeur, à quoi vous allez à mon côté, na kati, à un grand pays. Où ils allaient plus vaste que toute l'Europe unie. Ils allaient conduire un seul chauffeur. Où ils allaient incapable de conduire ces grands wagons. Ces grands camions. Azané, un compétent faux chauffeur. Azo kora ko conduire un grand camion. Alors, donc, on a yango. Et sengeli ko
mettre en place un nouveau système. Et le système qui convient pour ces grands camions, c'est le système fédéral, où on doit avoir plusieurs chauffeurs pour travailler en communion pour conduire ces grands camions. Ces grands camions, et qu'on jamais qu'on tambouille ça, un chauffeur qui n'a pas un permis expérimenté, ce que je veux dire, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo, étant que un pays vaste, plus que toute l'Europe unie, et qu'on peut tambouille ça, une seule personne été. Jamais. Il faut tout zonga si matou quoi qu'on réfléchir. Partez aux okenda aux enchères. Mbokeza okenda godinda. Et les étrangers en profitent de ça pour nous aider à détruire cette grande ensemble qu'on appelle la République à démocratiser du Congo. Dans la tatavande Gualande à Congo Bolo. Les pays ne marchent pas. Non, pas les pays comme tels. Les gens qui conduisent ces pays-là n'ont pas la vision. Pas la vision, t'es. Vision, n'a pas les alliés qui ont pillé. Pillage. Il y a aussi un autre moment, t'as dit qu'on a un autre. Avant les accusations de gauche à droite, ils ont dit que c'est vraiment clair que la situation est catastrophique. Ma information, ça au comme la biseau de gauche à droite. Bitumba na est de kuna et pas bande kuna biseau ba bembe ba nande ba furero. Et pas wapi boyoki une partie à territoire ya Kivu, ils allaient occupés par les éléments terroristes ya Kagame, ya Paul Kagame. Hein? Alors donc ce génocide le même terroriste Kagame a transféré en Sukoyo Nakatina Congo Diakati via le Congo Diafoi dirigé par le grand dictateur M. Sassou Nguesso, un imposteur. Alors, Nango, Congo Diakati est commis un foyer, il y a trouble vraiment à Tatabande. Ba élément terroriste ba koti kuno en masse et ba za ko préparer un grand génocide ya ko sa garantie ba exporter les donc le système ya génocide na kati ya Congo ya kati e bande ko na biso ya Congo ya kati ba kangi maboko ba maniye bande ko na biso ya Congo ya kati ba za ko monter au créneau te pona ko dénoncer cet état de choses. Bande ko na biso ya Congo ya kati baza miwe. Bango sikoyo olie ba tourner arme na bango contre ce qui se passe na Congo ya kati. Bango ba komo tourner arme na bango et pas il y a les grands maintenant dans ce entre autres télévision ya Dosta TV et komi une chaîne ya 5e colonne. Pona nini? Koya ko lekisaka bato oyo ba sombi bango na bapaya pour ba distraire le peuple congolais, ba distraire donc ba combattant. Alors pour ba bossa na cible na bango ma tatabande wala na Congo bolo. On retourne avec distraction zalini, distraction zali bolanda ki bino moko na bilili moto ba bingi le Québec qui vient na kati a plateau à télévision ya Dosta TV pour dire que non, ah voilà. Palais royal a fumanda semi bazo ko te kayango na mwasi na ye. Les accusations de mauvais goût à la marque et à nerf d'organisation terroriste liée à Al-Qaïda na kati ya Congo. Marque et à nerf. Une accusation à marque et à nerf. Toutes ces accusations to yoka yango. Ba yo ba sala les mêmes fausses accusations ils sont des apartis. Hein? To ko tanga ba zébélé. On va faire les mêmes accusations. Tout le monde a les mêmes choses. Notre combat, ce n'est pas ça. D'attaquer la femme du grand maître Nemandazem. Ce n'est pas ça notre combat.
Notre combat, c'est aller démolir ceux qui veulent nous détruire. Les éléments terroristes, Oyo Kagame, Azako Tina Nakati Amboka. Le Congo central, Azako courir un risque de génocide. C'est ça le combat des vrais combattants. Obako ko pointer ba arme na bango. Ce n'est pas aller mandat semi ni à sa femme. Ce n'est pas monter en toutes les pièces, n'ose pas. Ba information, il y a mauvais goût. Est-ce que c'est ça ce que les gens ont besoin de ça? Les gens ont besoin de voir que M. Hippolyte Kanambe qui se promène tranquillement dans Kati à Congo de Akati. Et puis le peuple appauvri. Basa Goku me say rice. Un étranger dans la terre à Mabira Bakoko Navan. Est-ce que notre combat, c'est d'attaquer le grand maître de Mandasé ou bien attaquer sa femme et comme Mabisonani? Boy Bisanga. Ça va nous apporter quoi? Absolument rien. Alors donc, toujours pensant à Payangouya, on va se dire que le Congo va continuer la distraction, Tikabiso continue donc à œuvrer dans la vie. Notre combat s'est poussé à M. Tulombo, où il y a distrait le bateau. Donc, à transformer notre pays en un État fédéral. Parce que c'était le combat de l'IDPS. Mais pourquoi le combat de l'IDPS qui est donc, il y a qu'à transformer la République à démocratiser du Congo à un État fédéral, une fois arrivé au pouvoir, donc projet Wana et Kotinamaï. Notre combat, c'est de dire à M. Tulombo aux autres dirigeants, ceux qui dirigent ces pays, ce sont les étrangers, les Rwandais, les Tutsis, pas les. Quand on dit le Rwandais, parce qu'il y a les Hutus là-bas, hein? Mais c'est une ethnie qu'on appelle, une tribu qu'on appelle Tutsi, qui dirige la République à démocratiser du Congo. Les vrais combats pour les combattants, c'est s'attaquer, n'est-ce pas, à ces gens-là, à s'attaquer à cette mauvaise politique masquée. C'est ça. Dénoncer. Monoko basalango pona koloba. Pona ko dénoncer. Et non pour la distraction. Hein? Pour la distraction, non. Vous avez une chaîne, mettez-vous au service du peuple. Hein? Si vous créez une chaîne, c'est pour donner une bonne information. C'est pour utiliser cette chaîne pour se défendre. Pour dénoncer les mal en perspective. Pour les aïe kouya na katiamboka. Hein? Est-ce que les gens peuvent être là? Hein? Bayokaka boza koloba, qu'on s'attaquait à une femme d'autrui. Monter les informations de toutes pièces mensongères, de mauvais goût. Non! Nous n'avons pas besoin de ça. Toi, on a besoin de la vraie. Toi, on a besoin de vraies informations. Ou ils ont maté ça. Ba imbo kama futa pour ba sa la révolution ba prendre en charge mboka na bango mama tata bande wala nda Congo bolo. Voilà ce qu'on a besoin, donner les gens des bonnes informations, les informations crédibles. Mais le grand maître de Mandassé vous a déjà donné des enseignements. Mais qu'est-ce que vous faites avec cet enseignement? Hein? Nabukongo balobi Zambia Pungutulendo a changé Kambokate aussi longtemps que Baimbo va changer dans le lenge na bango ya kokanisate. Mais bino bato bozu mate ya na bundu ya Kongo. Est-ce que vous avez changé le lenge na bino ya kokanisa? Pas du tout, vous êtes toujours loko là-bas. Bato yo ba changer nano mentalité na bango te. Si ko mboka ngoyo ko et qu'on s'est transformé comment? Comment? Et voilà, vous voyagez à Kinanga. Le grand maître de Mandassé m'a toujours dit, toujours qu'il y a à Kinanga. Ah, Nanzela, hein? Bah, na fouengi bazali bili, Nanzela. Ah, bibola la te, bo melate, bo binate. Ah, à chaque étape, le grand maître de Mandassé m'a toujours dit, équipe monsieur ses otika. Azuyo, etikali, azuyo, etikali.
po nini na fwengi azako kanga bango kleboa. Mais tant que vous comprenez les enseignements, il y a un fouengi. Beaucoup là, on a distraction. Tu es toujours moins honnête dans la télévision, à deux, sa TV. Et c'est une distraction, il y a un fouengi. Maman, tata, on va aller à Congo. Les femmes qui se respectent ne peuvent pas soutenir les gens comme ça qui font la diffamation à l'égard de la femme d'autrui. Les femmes qui respectent, qui se respectent. Les femmes qui se respectent, bah, qui jamais qu'on soutenir un individu qui vient calomnier la femme d'autrui. Les femmes qui se respectent ne peuvent pas, ne peuvent pas. Ce ne sont que des femmes qui se respectent pas qui appuient la bozoberine qui y a un individu au tobengi balukeba. Voilà. Qui se permet à quelle joie d'insulter la femme d'autrui. Ça n'a pas un sens. Alors parlons de notre pays. Lelo toyeto lobirali kamambo. Monsieur Tulumbo azo gouverné te. Tout ça n'a pas prévu. Yango tout ça pour projeter binou la conversation. Yabango moko batoyi DPS de ce qui se passe en République démocratisée du Congo. C'est grave. Désolé, très grave. Moi, tata wandu wala nda kongo bolo. Ma kamweza kule kanamboka. Eko koti kabiso silencieté. C'est comme si tozali présenté. Ma tata wandu wala nda kongo bolo. Bozo zelani le grand maître de mandat se maloba. Et puis tanga lobaga. Vous ne faites rien. Vous ne l'accompagnez pas. Il doit être prudent. Même si fois à loba. Même si fois ça va déclaration télévisée. Il doit se réserver. Parce que tant que vous avez bombardé dans le monde, personne ne vient au secours. Vous avez au secours. Pourquoi il doit toujours mettre en péril sa vie dans le bateau basé dans le ignorant dangereux? Il doit être toujours prudent dans la déclaration. Parce que nous avons affaire à des politiciens au basali sans valeur morale et spirituelle. Et quand on parle de la valeur morale et spirituelle, nous ne faisons pas allusion, n'est-ce pas, à la spiritualité étrangère, au christianisme colonial. Nous faisons allusion à la spiritualité négro-africaine, Yabana Kachopa. C'est ça. Et vous trouvez au Congo, c'est tous ces politiciens n'ont pas de valeur morale et spirituelle. Et voilà là où vous amène le pays, aux enchères. Hein? Comment voulez-vous que le grand maître de Mandassem ne peut pas être prudent? Il doit être prudent dans toutes ses déclarations. Parce qu'il trouve que le peuple, il y a une de Timanti, il y a la pongi. Le coup là, il y a la pongi, il faut qu'il y a la pongi, bien, il y a un bébé. Parce qu'il a tout prophétisé. Il a dit, il y a un génocide qui se prépare au Congo de Akati. Tous les politiciens du Congo de Akati, pongi yaba bébé. Il a dit, na est, il y a un danger, un massacre. Aucun politicien qui a accompagné cette parole. On a vu les massacres et les massacres continuent. Na Congo de na chose na est. Hein? Bama tata mandu wala nda Congo boulou. Alors, vous voulez encore quoi? Vous n'êtes pas encore prêt de vous libérer? Alors, consommez-vous donc le vin tiré. Consommez en haut. C'est ça, maman, tata, Andréa Kongoboulou. Regardez vous-même. Le grand maître de Mandassemi est dans la coalition de ceux qui dirigent aujourd'hui. Mais les maquettes qui se sont bâties pour que M. Tulumbo puisse accéder à la magistrature suprême, le quoi n'est pas allé là. Bah fouti bango nani monnaie de singe. Bah zui bango ba kamati batini bango nena e café là. Nangenga. Pour pas que nous koufakoune. Vous trouvez ça normal? Ce sont les choses que tous les politiciens doivent dénoncer dans Katia Mboka. C'est ça, c'est que les activistes
politique doit dénoncer na kati ya mboka. Ramener M. Tshilombo en ordre. Mais non, ko la kisa biso ba futilité non mda ko ya yane mwanda semi, moi si na za ko teka. Ça, c'est vraiment la distraction de mauvais goût. Ba ma keso ba se battre pour na ko combattre l'infiltration à ba étranger na kati ya mboka na biso. Le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. C'était le slogan. Tout Congolais. Oh, il y a il devrait nécessairement accompagner ce slogan à Maké Samabundo de la Congo. Et M. Tshilombo, s'il aimait vraiment ce pays, il allait proclamer le Maké même au Bakoufaki na soulèvement, wana, les zéros. Il ne devait même pas se tarder pour na Kobimisabango dans la prison. Mais Talaye, depuis qu'il est au pouvoir, bientôt c'est la fin de son mandat, Azozo va marquer sa routine dans la prison, il y a un café là. Na Équateur. On n'est pas sur la routine dans la prison, il n'y a pas de casse. Monsieur Tshilombo, tu as un pays. Hein? Tu as un pays. Tu as une terre. Ta terre, c'est l'Équateur. On n'est pas sur la routine dans la prison, il y a un bang habité, il y a une routine dans la prison, il y a la réaction à monde et à monde spirituel et comme la bande qu'on a biso il faut poubelle na yende donc Équateur hein vraiment tata bande qu'on a Congo bolo poubelle ya monsieur Tshilombo donc Équateur comme il a la haine sans fait ya bangala alors donc il doit transformer l'Équateur na prison ya ba innocent. Monsieur Tshilombo a la haine sans fin. Na Bangala, Monsieur Tshilombo. Hein? Quand vous cherchez les tribalistes, j'attends les gens qui se proclament, le tribal, accuser les autres, les tribalistes, accuser même les moins dansés, mais les tribalistes. Voilà les vrais tribalistes, c'est là. À la magistrature suprême. Hein? Ils voient que ses propres frères Balouba. Il ne voit pas les autres. Il se transforme. Mabele Yabaninga. Na prison Yaba innocent. Ils ne sont pas d'accord. Nous devons dénoncer ça. Bama tata bandou wala nda Congo bolo. Alors maintenant, Bama tata bandou. Toyoka, qui gouverne la République démocratique du Congo? Est-ce que les Tutsi Rwandais sont toujours dans des institutions? Il y a beaucoup de cannabis. Toyoka, ma déclaration, n'est-ce pas? Il y a Bango Moko, Bato ya IDPS, Bato Baza pour dénoncer Ango Bama Tata Bande Walanda Congo Bolo. Voilà les informations autour de Memeribino, sur le pénal en tout cas, na après-midi à l'héro, Bama Tata Bande Bolandango, Nabo Kebinyo, son na ebande les ali mouke, mais bo ti akaka matoui. L'essentiel est koti a matoui ko yoka. Alors, c'est à vous maintenant, yako savouré. De mon côté, même là, c'est que tes gens na ebande la wawou ti tchampa wawou ensemble, pour nous embrouiller. Comme le ti tchampa, ils ont gil, te, ils ont massacre. Ok. Wampang. Vreo. Ou faux, Robert travaille au conseil de cabinet présidentiel. Wampanga, vrai ou faux, Bizimakara a un rôle à jouer dans la présidence. Wampanga, vrai ou faux, Garambe, qui fait le patron de Bissele du fort, sont à côté de Félix. Wampanga, vrai ou faux, Vincent Karega participe dans les réunions stratégiques au sein du cabinet présidentiel. Ce qui n'a pas compris ça, il y a quand même la contradiction. Parce que moi, je peux te donner même la date. Je peux te donner la date. Ce qu'on Kébi, on a balancé même photo. Il y a une des réunions de la présidence, mais Karega dans la carte.
N'est-ce pas la même méthode appliquée à Komutu? Quand on vous disait toujours que non, il y a des Rwandais par-ci, par-là, cantonnés, dans tel coin, quand Kabino Bobino va parler, les représentants du Rwanda, la Katia Congo, vous voyez qu'on démentir, non, c'est faux. Quand on vous disait que Rwandais, aviation à Rwandais, oh, et Kotaka, en fonction, Chimbun, Chimbuton, Félix a signé un contrat. A pété seulement les lots, lobby. Rwandais et bandits, ça n'a rien à Congoara. Vous voyez, Bakatina, il y a Rwandais dans le Congo. Les militaires que Rwandais a amené à Kinshasa, Wana, Bangwana, de Bazasikoda, la Komout. Mais tout dans le cas de Batumitu, Bayaka, Baybi, Bakata, Baybi, Baybi, qui tue Wanate. Les Teke, Baybi, qui tue Wanate. Batika, la Komout, dans ma machette, qui tue des machettes, vient de Touti. Et de Hutu du Rwanda. C'est une méthode emportée par les bisous en haut. La Katia Mboka. Il faut en abolir pour ne pas comprendre ces langages que je parle ici, monsieur. Bolole, ce n'est pas un gire. Bolole, c'est qu'on a dit qu'au Tanga, les maïles n'ont pas hypothéqué en haut. À Bouzoba. On a dénoncé ces plusieurs fois qu'il y a des militaires rwandais à Maluku. Bolouboy en haut. Mais les lois, comment quand on va te marcher, tu connais. Qu'est-ce qui prouve que nous bitumba ne zéba te batte qui n'a pas yaka? Qu'est-ce qui prouve? Parce qu'ils ont une méthode à côté de nous, autochtones, pour payer sa moto. Quand on va payer sa moto, on va côté de l'action. C'est ce qui va se passer dans la vie de Kinshasa. Bazawana, Bazana, Brazzaville. Bazawana, Pemena, Bazangoum. Les mêmes militaires là que je parle. Ils vont créer un conflit. La carte à Bazangoum, Kula. Mes chefs continuent à mourir quelque part. Et puis, tant que et je perds mon temps à discuter dans mon truc là. Moi, je vais se m'interpeller mon peuple, particulièrement nos combattants de l'IDPS. Ne vous laissez pas manipuler. Si tout va à l'est à pays, votre le mélange mabélé n'a pas. Et on est là, on est derrière le front. Aujourd'hui, ma côte, c'est 12 000 militaires. Bah, on va envoyer un bon canapino. Soit des agréments pour le capé. Bah, pour le capé, pour soutenir. Accords qui ont été signés par le passé. Accord d'Addis Abeba, accord de Nairobi, accord de ceci, accord de cela. Meurtre du G, c'est Kagame. Wampanga, réponds aux combattants des questions que je vous pose ici. Parce que demain, Kabuya va encore inviter les gens pour les tromper. Réponds d'abord à ma question à Zokutunayo. Rwanda, un pays envahisseur, un pays agresseur, plutôt. Dénoncé par le gouvernement congolais, dénoncé par l'ONU, les mêmes pays agresseurs avec le salarié au Congo, parce qu'ils viennent d'entrer au Congo, pas à la Rutshuru, précisément. Est-ce que tu peux parler aux militants de l'IDPS, oh, yo, mon amour, bah, bolole, na yo, y'a qu'on s'en va tout le temps que, oh, chacun doit être l'aide du chef, le bela, bah, on a musico. Rwanda, Patrick Mouyaya, le bilan, que le Rwanda, c'est un pays agresseur. Nous sommes agressés par les Rwandais sous l'M23. Est-ce que tu peux expliquer au peuple congolais, maintenant, expliquer qu'est-ce que les Rwandais viennent faire dans le contingent où il y a pays de l'Est? Est-ce que tu peux nous expliquer? Un pays hier, vous l'avez accusé de l'agresseur et vous êtes même incapable d'inviter, de convoquer votre ambassadeur qui est au Rwanda. Vous êtes même incapable de renvoyer son ambassadeur parce que l'agression était palpable, dénoncée par l'ONU, dénoncée par le gouvernement. Mais les lots Oyo, Rwanda fait partir dans le pays où nous sommes soi-disant pays de la communauté de l'Est, basé au Congo. Un pays agressé, c'est Rwanda.
Le pouvoir actuel que vous êtes en train d'encourager, c'est le pouvoir du Rwanda. Et je peux me l'expliquer. Ils ont, bah, tout bas, vous dirigez le lot. Bah, 90% sont des gens du RCD Goma. 90%, je dis bien, je le répète, ils ont la carte à ma civile, ils ont la carte à ma militaire. Bah, tout bas, vous dirigez, mais ce sont des anciens rebelles. Bah, ceux qui ont Félix en otage, comme l'air biomatière à Katikat, bah, vous utilisez, donc vous voyez des baisses. La posant question au Dieu avant que les retraites n'a tout naïo. Conservant le pouvoir. Est-ce que tu peux nous définir conservant le pouvoir électionnel? Vous avez commis ma combattant ou amiqué, mais qui ont eu ma politique et que nous conservons notre pouvoir. Conservons notre pouvoir. Pendant que le pouvoir est entre les mains de tout Chipawa. Hein? Au Kaba, ministre de la Défense, où il dépasse, il faudrait aller Zoua. Et définir politique et armée. Hein? Si vous ne voulez pas mettre les militaires, il y a Balouba et Consol, il y a Bapo Secret. Mais ministère de la Défense, ceux qui sont à Maboko, ils sont à Maboko, il y a IDPS. C'est le ministère clé qui devrait définir la vraie politique de l'armée. C'est le ministère là qui devrait définir. Quels sont les officiers autour de ma poste? Non. Posez-moi ton monsieur Sylvain Moitié, ministre délégué. Donc, à qui on s'en tourisme quand on a un ministère de la Défense? Non, Or, la place, il y a un mouton, monsieur Sylvain, on ne dépasse pas le Moitié, un petit peu, on se capte en Dawana. Ministère de la Défense, on peut se mouton. Eh bien, on peut se mouton, Bololé, oh non, oh, moi, on est sur la Zokoloba. Dis-moi que nous sommes pris en otage par les anciens rebelles du RCD Goma qui ont pris même votre chef en otage. Votre président travaille sous ordre à Batouana. Il y a un moment où il y a un mingi, et le moins il y a un moment parce que Bango a mis le pouvoir à Bango. Ça s'est défini plusieurs fois. Défense nationale, les anciens du RCD. Inspection générale de l'armée, anciens du RCD. Hein? Chef d'état-major radio, anciens du RCD. Renseignement ancien du RCD. Mais quand je l'ai fait, parce que je suis soi-disant conseiller privé, soi-disant. Mais c'est pour ça que je suis en matière de l'émission et de la télétérapie. On vous a déjà montré la matière de l'émission. On a changé le conseil privé en quoi? Il y a autant de l'émission conseiller privé à Mobutu. Son volo, il y a par le passé. On a pris un plein, on a fait un président, on a fait un fort Michelin. Bololé. Il y a besoin de ma classe à Mokenda, parce que la classe à Pamba. Ma diplôme à Pamba. Si j'étais au Congo, là, j'ai ma diplôme à Bino, j'ai la Benfino, j'ai mis ça, j'ai ma diplôme à Zéro, j'ai la Passoulango. Parce qu'ils ont conservé à rien. On vous a montré que l'impérium, c'est l'armée. Quand le président de la République ne contrôle pas l'armée, il n'a pas le pouvoir. Maintenant, on attend qu'ils sont des rebelles. Et puis je le répète encore, comme d'habitude, garde du corps, n'est-ce pas, Simone, garde du corps, n'est-ce pas. Bololé, pour ceux qui ont dit que nous sommes en garde du corps, il y a le président Moussous, pour bien au président de la République, et notre pouvoir. Quel pouvoir? Pour nous, on a garde du corps, Simone, ceux qui sont les présidents aux Abibales. Pour nous, on a dit. Pour nous, on a dit que nous allons au bête comme chef d'état-major chargé des opérations. Allons, on a eu ça à Moubali. Bambala, on a fait Célestin Ballon, on a battu, mais le vrai chef d'état-major, c'est Obed de Basile. C'est lui le chef d'état-major. L'ancien militaire dans l'armée rwandaise, l'ancien rebelle dans RCD Goma, Lelo Aza, chef d'état-major dans le Congo. Et puis après, ça a rapport à la Rwanda. Au Satanio militaire, au Bumayo. On parle à Nazawa pour nous côté les lons bouzou banayo, de nous accueillir pour couper le peuple. Parce que la mission qu'on vous a donnée dans l'IDPS, c'est distraire le peuple, le faire endormir. Alors, en attendant, les lignes avancent. Et je demande aux combattants de se mettre debout. Pour se mettre debout, pour ticater Mboka na Pino Kendi. Parce que les rôles que Kaboul a joué maintenant, et les Wampanga et Consos, c'est pour vous distraire. Demain, il vous a convoqué pour seulement vous distraire. Et à Kolomelo comme Malongate. Et là, comme on est dans un coup du système, est-ce que tu as connu ce qui est déjà? Est-ce un pays qui est?
bituma ko mutu wana bogwa na lobi ko simplifier bakoya na susula bakoya na katika tuna bakota tena kishasa na kasa ekuna la même chose na katanga la même chose c'est ça les plans sataniques aux anges pour battre pays na katia moto. Voilà. Matondo mingi en tout cas na kanisi bo landi penza na bo kebi déclaration ya membre IDPS. Ndenga uti ko détaillé awa mama tata bande. Hein? C'est quoi botala bino moko? Ça veut dire que le pouvoir est dans la rue. Mboka zali gouverner te. Ba paya bazu en otage mboka mama tata bande wala nda ko mbo. Yo boyo kabino moko cette déclaration. Alors, au moment où on a prétendu que non, nous sommes abattus en air. Nous sommes en train de service et en boca. Nous sommes abattus en sous, il y a mauvais goût. Tout ça, on a publicité dans le Congo. Hein? Babylon, on a chambouillé, on a l'Afrique d'ici. Hein? Ils sont là, parce qu'on a service à l'organisation terroriste, et on a un côté là-bas, parce qu'on s'oppose, n'est-ce pas, dans le gouvernement, il y a pas tous dans le cas de la Congo. Parce que ce sont les tous déguisés. Bah, il y a Tchouluba, bah, comme on l'a Tchouluba, bah, comme on l'a Balouba, ok, ce sont les tous déguisés dans Balouba. Ils sont en train de les défendre, n'est-ce pas, régime dans le Congo, où ils ont eu le Congo, mon nez en otage. Nous devons les dénoncer, les combattre et les démolir. Parce qu'ils allaient survivre. Il y a beaucoup de cannabis qui sont en train de se faire. Mais quand je suis en train de se faire, il y a monsieur Mende a bêti 7 ans sous son esikana. Il y a une déclaration à Mende. Que beaucoup de cannabis sont en occupation. Mende ou Azalaki, Tchakou ya Hippolyte Kanambe. Ye wana koumi ko sa la ba révélation. Boyo ka bolanda na boke binyos. Bounagana les a occupés par le Rwanda. Les manipulations là des rebelles et tout ça, ça c'est pour des petits enfants qui ne connaissent pas la géopolitique. C'est le Rwanda qui occupe Bounagana. Et tout esprit normalement constitué, aussi bien au Congo qu'ailleurs, respectueux des principes qui régissent les relations internationales, doit être révolté de la même façon qu'on se révolte du fait que la Russie a pris pied dans certaines villes en Ukraine. On doit se révolter contre l'occupation de Bounagana par le Rwanda, parce que Bounagana, c'est la République démocratique du Congo. Voilà. Voilà, on est en Bokebi. Voilà. Monsieur Mende. Hein? On sait Tchakou, il y a Hippolyte Kanambe. Oui, ok, n'est-ce pas? Mboke zali na occupation ba mama tata bande kwa landi ya Congo bolo. To meka ko inir ba effort na biso po ke to longo la mboka na etao yango ekomeli yango lelo. Parce que zoko tozo ko kuri katastrofe. Kalamingite. Tozo kuri katastrofe. Bo vande la ka mongonzo te, bo vande la bombe te, bo vande la lokuta te, bo vande la le maçons de le calonite. Tout se mettre au travail pour sauver la République. Voilà, maman, tata bande kwa landi ya Congo bolo. Et il n'est pas le seul, monsieur, même de l'ancien Tchakou et Hippolyte Kanambe. Il y a encore d'autres. Ou bazali ko alerté. Situation, bazali ko le kanaka diamboka. Mais pourquoi les gens sont silencés? Écoutez-moi un peu ça. On n'en dira jamais assez. Le plan expansionniste de Paul Kagame s'installe à l'ouest du Congo-Kinshasa, à travers son voisin, le Congo-Brazzaville. Le président de ce pays, à la fin de son mandat, est sommé par les États-Unis et la France de payer sa dette politique en leur retournant l'ascenseur, eux qui lui avaient permis de retourner aux affaires après avoir perdu son pouvoir à l'issue de la conférence nationale souveraine. Les accords signés avec le Rwanda permettront au maître à penser de Paul Kagame d'accomplir vite le plan d'amputation de la partie est du pays en fragilisant d'abord le pouvoir de Kinshasa par une guerre possible à partir de sa côte ouest. L'un de ces accords est la cession par Brazzaville à Kigali de 120 km² des terres à Maluku, sur la rive brazzavilloise.
Ces terres sont cédées au fonds souverain rwandais à travers la société Crystal Ventures, fournisseur principal de l'armée patriotique rwandaise, APR, et dont le président rwandais est le véritable responsable. L'autre accord est un accord de coopération militaire. Alors que tout est clair pour le monde entier que le Rwanda qui va recevoir sous la casquette des réfugiés, les combattants afghans ayant servi les USA dans la lutte contre les talibans et qui ont été déportés en Grande-Bretagne lors de la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, il n'y a qu'au Congo de Lumumba que les faits passent comme des faits à ignorer. Soyons vigilants, avant de transformer le Congo central en un deuxième est déstabilisé du Congo démocratique. Les achats de conscience massifs, lors de l'élection du gouverneur du Congo central, seraient le parachèvement de ce plan visant le contrôle de la porte de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le moment de parachuter, par la corruption, des inconnus soutenus par des parrains swahilifones, proches du Rwanda. Le président Félix Tshisekedi ne doit pas se faire induire en erreur par des conseillers coupides qui ignorent les enjeux sécuritaires et politiques à la veille de 2023. D'autant plus que les nés Congo ne méritent pas de voir leur province gérée, par personne interposée, par des figures dans l'ombre. Les nés Congo ont payé un lourd prix de résistance et ils méritent qu'enfin on développe leur province, certainement pas qu'on l'occupe par des parrains avides de prébendes et de pouvoir. Matonde. Voyez-vous bien au Congo? En tout cas, maman, tata, bande, voilà, on est au Congo, bololo. Bah, Congolais, vas-y, vraiment distrait. Bosa distrait. Na prison wana a ciel ouvert. Boza vraiment distrait. Bozo comprendre que dangereux ko courir bino na moi mikolo penza weza koya. Réveillez-vous mes chers frères. Le monsieur peut-être boza na ba information té. Alors nous osons aujourd'hui ya ko fournir bino toutes ces informations de façon que bo se mettre au travail ya ko protéger la terre de nos ancêtres. Qui gouverne la République démocratique du Congo? Pourquoi ba noir baza ou comme ennemi à ma bé na bango ma tata bandeko? Bazo te kango kaka na papa. Ça ne va pas. Et d'ailleurs, Bukoyoka, maman a zako dénoncé. Azo la ksabino ke non, mais écoutez. Ba Chilombo, ba Bouattara, ba Macky Sall, et baza tout simplement ba esclave ya ba pa ya baza au service ya ba pa pour na ko panza ko baby sa mboka ya ba koko ba ma tata bande ko landa Congo bolo. Ça vient pas de moi, écoutez vous même. Très très ridicule, parce que on a compris, tout le monde a compris, les panafricains ont fini de démontrer eux-mêmes. On finit de démontrer qu'ils sont une institution coloniale. Parce que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. La CEDEAO est financée directement par la France. Donc la CEDEAO répond aux injonctions de la France. Et l'Union africaine répond aux injonctions, aux instructions de l'Union européenne. Donc ce ne sont pas des institutions qui ont été faites pour les Africains, mais bien contre les Africains. Donc, c'est de cela qu'il est question. Quand je vois que Macky Sall s'est rendu à Rotterdam, ça me fait rire. Macky Sall et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, vraiment, ça, c'est deux gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara. Les trois, vraiment, ce sont des esclaves qui parlent au nom de l'Afrique, mais qui n'agissent jamais, d'ailleurs, au nom, même pas au nom de leur peuple, à plus forte raison, au nom de l'Afrique. Ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des esclaves de ces gens-là. Vous vous souvenez, lorsque l'Europe était en manque de blé, c'est Macky Sall qui allait comme garçon de course de l'Union européenne, mais toujours au nom de l'Afrique. Macky Sall il n'a pas de capacité à défendre l'Afrique. D'ailleurs, il n'est pas là pour ça, parce que c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Il doit sa vie à la France. Ce sont des francs-maçons aussi. Ce sont des francs-maçons qui ne sont pas du tout dans la même logique que nous. Ce sont des gens qui n'ont aucune honte. Ils sont exactement des esclaves de la France, mais en même temps des colons noirs qu'on a posés là à la tête des États africains.
Et derrière, ce sont des vigiles parce que ce sont les ambassadeurs qui sont les représentants directs de Macron qui leur donnent des injonctions dans leur propre pays. Voilà, dans leur propre pays. Donc, l'Union africaine n'a jamais représenté l'Afrique. Et dans sa forme actuelle, l'Union africaine ne peut jamais représenter l'Afrique dans quoi que ce soit, à moins que ses présidents dégagent par des soulèvements populaires pour qu'il y ait le changement dont le panafricanisme, les patriotes africains aspirent. Donc, c'est une honte ce déplacement de Macky Sall et de Félix Tshisekedi. Par moment, vraiment, ce monsieur... Moi, je pense que les Congolais, ils ont beaucoup de boulot. Parce que Tshisekedi, c'est leur Ibeka. J'ai dit ça à Roch Kabore. Ils disent que l'autre doit partir. La MINUSCO doit partir. Mais celui qui ne veut pas que... Voilà. Voilà, maman, tata, bandico. Donc, ces gens-là vont partir que par un soulèvement populaire. Voilà l'option Oyo. Africain, bakoui go sala pona ke bakwa kusko se débarrassé na ba esclave wana, bama tata wando golande ya Congo, o bazali au service ya papa et non au service de leur propre peuple. Voilà. Bama tata wando kona kalisi bolandi bino moko, les informations, oyo na memeli bino sorop na tuka na après-midi à l'euro, pona ete bokoka sorop na tuka ko prendre conscience du danger, oyo sorop na tuka, ezali koko mena biso na kati ya mboka. L'Union africaine n'est pas vraiment au service des Africains, vraiment, ils allient tout simplement au service, n'est-ce pas, il y a néo-colonialiste, bah, tata, on doit aller à Congo, bololo. Alors, donc, il faut tout, qu'on soit, en tout cas, qu'on mette en place, bah, dirigeant, ou, bah, allient capable, bah, qu'on défende les intérêts, il y a, bah, nana, kachopa, bah, tata, on doit aller à Congo, bololo, et non, bah, dirigeant, ou, bah, allient au service, bah, esclave, bah, umbu, n'est-ce pas, il y a, bah, néo-colonialiste, pour te va continuer qu'on perpétrer la souffrance de notre peuple. Regarde ce qui se passe au Congo. Mboko ezali na kitabire, mais regarde comment est-ce que le peuple souffre. Alors, bon, c'était, bon, quand on a beaucoup, mon nom commence à reprendre pour dénoncer le mal, le danger en perspective, ou ezo ya na kate en boka na biso. Voilà. Tosuki awa, pour na mokolo malelo, wana to koutana bino yusu mbala ya sima. Bon, s'abonner massivement na kate ya Congo bololo. Vous s'abonner, abonnez-vous, likez que Bolingi solo en tout cas Congo bololo, hein? Vous avez qu'une seule chose à faire, abonnez-vous et likez et que vous aimez Congo bololo. Voilà, maintenant Mingi na bino banso yo bo lundi biso solo en tout cas na pokwa na lero, wana en tout cas to kuta na bino mbala sima bon moment sano. Alors, vous engagez ko s'abonner na kati na chaîne nabino préférée Congo Bololo, Congo Bololo, ezakaka Congo Bololo. Et voilà. Que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège le grand maître Nemanda Nsemi, un grand leader de tout le temps, et protège la République à démocratiser du Congo, c'est-à-dire Kimvuka noyé à Kimvuka y a un timanti. Alors, écoutez-moi ça. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Thank you.
n'est pas dit. Thank you.